La France en danger, chapitre 12 et 13, Arles, France. Roger voit que Pauline a la lance du destin. Roger est fâché. Roger court après Pauline et Luc. Soudainement, Roger attrape Luc par les jambes. Luc tombe. Pauline ne voit pas que Luc tombe. Elle court vers un parc. Pauline court rapidement au parc avec la lance. Secrètement, Marcel court après Pauline. Pauline court sur un pont. Marcel arrive sur le pont. Marcel marche vers Pauline. Pauline crie, « Ne vous avancez pas !» Marcel veut parler avec Pauline. Il a un motif secret. Marcel veut la lance. Marcel regarde Pauline avec les yeux romantiques parce qu'il veut la lance. Marcel dit à Pauline, « Vous êtes très belle. » Pauline lui répond, « Merci. » Soudainement, Luc arrive sur le pont. Il crie, « Pauline !» Luc arrive avec Roger. Luc est le prisonnier de Roger. En ce moment, un chat noir marche devant Pauline. Marcel court vers Pauline. Roger court vers Pauline. Pauline court aussi. Pauline tombe sur le chat. La lance tourne en l'air, mais la lance se sépare. Marcel et Roger sautent dans l'eau. Marcel et Roger volent la lance du destin. Pauline regarde le pont. Elle a la partie magique. Elle a la lance du destin.